Je voulais vous montrer quand même un petit peu voilà l'ambiance. Bon après je vais pas rentrer dans les paramètres tout ça, voilà, vous avez vraiment quelque chose de digital, voilà, donc tout est numérique. Alors bon, vous allez me dire aujourd'hui il n'y a rien d'exceptionnel hein, parce que beaucoup de voitures sont comme ça, mais voilà, comme ça. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'essai sur un SUV, un Volvo XC40 pour un millésime de 2016. Donc en réalité il est en fin d'année, vraiment fin décembre 2015 pardon. Et puis bon bah voilà, on va découvrir ça. Donc là on est sur un modèle qui est en motorisation, c'est un 2 litres diesel. Qui développe 190 chevaux sur une finition, la finition la plus haut de gamme. Je vous avouerai que la gamme chez Volvo, elle est quand même très, très compliquée. Il y a énormément de finitions, c'est très très compliqué. En plus, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la carte grise. Donc pour retrouver un petit peu la finition exacte du véhicule, ça a été un petit peu sportif. Donc on est sur une finition summum qui est un haut de gamme, comme je disais. Donc là on est sur un véhicule qui n'est pas en 4 roues motrices et qui est équipé de la boîte automatique, donc la Girtronic chez Volvo, qui est en 8 rapports sur les millésimes, je vais y arriver, de 2016. On est sur une boîte à 8 rapports. Donc cette boîte, on va voir ce qu'elle donne. Donc a priori déjà c'est une boîte à convertisseur de couple. Et donc convertisseur de couple, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une boîte en fait comme le groupe Volkswagen, Audi, Porsche, tout ça. Voilà, on est sur le même type de boîte. Donc logiquement c'est des boîtes qui sont assez qualitatives. On va voir ça. Donc là j'ai commencé, on est en mode D. Mode drive tout simplement. Au premier abord, qu'est-ce qu'on ressent? Moi déjà là je quitte un petit peu la commune. Au niveau de la sensation de conduite, au niveau du volant déjà, j'aime bien la précision. Il y a une petite consistance qui est plutôt bien calibrée parce que elle est pas, ouais, on n'a pas le feeling d'avoir une sensation de variable.
voilà, trop souple en bas à basse vitesse et puis après de plus en plus rigide, de plus en plus dur. Non, le feeling est très très bon, il est très précis, il est toujours consistant. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des petites, il est pas parfaitement rond là, on sent des petites bosses. Impression qu'il est quand même un peu resserré au niveau des 10h15 là, et avec la position pour les pouces, c'est assez sympa. L'ergonomie du volant est assez classique, c'est vrai qu'il y a pas mal de boutons, mais ils sont assez larges, donc on a bien les, on voit tout de suite bien les dessins dessus, et finalement c'est assez lisible. La planche de bord, on voit que c'est quand même assez qualitatif. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué à des véhicules germaniques quand on va chercher vraiment des belles finitions, du haut de gamme et tout ça. Là, on a un petit écran LCD pour le tableau d'information, tout ça. Tout est en digital. Le deuxième petit écran ici, la finition de la planche de bord qui est assez jolie. Avec la petite finition là en bois, mélange bois et puis aluminium brillant. Mais c'est de bonne facture, hein. C'est pas. On pourrait penser que ça va mal vieillir, que c'est des plastiques et tout ça. Je vous avouerai que je me pose la question. Oui, c'est des plastiques, ouais. C'est des plastiques, mais très sincèrement, on se pose la question hein, quand même. Il faut les toucher. Là, c'est pas du plastique, ça. Ça, c'est. Bon, bref, voilà. La qualité perçue, elle est là. Hein. Ça, c'est clair. La planche de bord, on est sur du plastique moussé avec un joli grain. Donc c'est flatteur. Franchement, à première vue comme ça, niveau visuel, c'est assez flatteur. Vous voyez, je suis sur une voie rapide à 90 en vitesse stabilisée. On entend l'air, juste l'air. Le moteur, on l'entend pas. Bon, là, je vais couper complètement la musique. Voilà. On a quelque chose qui est très silencieux. Le confort, bon, on est plutôt comparé par exemple au Q3 qui est à peu près dans les mêmes catégories, qui est beaucoup plus ferme. Là on est sur un confort assez moelleux plutôt bien insonorisé. Voilà, on est vraiment là, c'est un véhicule pour faire la route, ça. C'est pas une sportive, ça c'est clair, mais voilà. On a vraiment le sentiment d'avoir une position haute. C'est vachement agréable. Moi qui ai aussi un SUV, c'est un Honda CR-V, donc c'est un gros 4x4 aussi. J'ai pas le même ressenti. J'ai l'impression d'être plus haut en fait dans le Volvo. Là. Donc là on va prendre. Essayer de faire une petite accélération. Donc là je passe en mode sport. Ah, tout de suite ça prend du régime moteur. Voilà. J'étais à moins de 2000, je suis passé à 2005 d'un coup, puis il a rétrogradé au final. Donc là, on est à 90. Voilà, ça passe le régime à peu près à 4000. Ah, le freinage est plutôt pas mal. Donc là, c'est un véhicule qui... Moi, j'ai pas pilé, j'ai pas fait un arrêt d'urgence non plus, je suis sur une voie rapide. Bon, il n'y a personne, hein, je suis seul au monde, apparemment. Voilà. Mais bon, bref, donc c'est un véhicule qui fait 1660 kg à vide. Donc, c'est pas lourd, mais pour un gros 4x4, on a vu bien. Bien que le poids, il faut y faire attention aujourd'hui parce que on est en train de parler de peut-être faire des. Comment dire. On est en train de parler de peut-être faire des stationnements payants au poids. Donc voilà, ça peut être un détail qu'il faut regarder. Donc au niveau de la conduite, là, vous voyez, là par exemple, je suis en mode sport, je suis à vitesse stabilisée. Donc on a fait une petite accélération, ça accélère correctement. On n'a pas forcément de sentiment d'être, plaqué au fond du siège. Voilà, la boîte, elle enchaîne pas mal. Là, en mode sport, on a pris un peu de tour quand même. Donc là, on va rentrer sur une voie rapide. Je suis déjà à 80 en vitesse stabilisée. Donc, on va voir au niveau des relances. Là, il n'y a personne dans l'angle mort. Hop. Ah oui, quand même. Ça reprend bien. Ça reprend pas mal.
à la boîte, il y a eu un petit temps de réaction au moment où j'ai voulu vraiment décoller. Il y a eu un petit temps de réaction. Par contre, il a descendu un rapport et vu que j'avais appuyé vraiment pied au plancher, il a redescendu un autre rapport et puis voilà. Donc il y a eu peut-être une petite hésitation sur le choix du rapport. Mais par contre, voilà, c'est finalement assez réactif. Il y a eu ce petit laps de temps de réaction, mais franchement, rien d'inquiétant, pas plus dérangeant que ça. Par contre, voilà, on sent qu'il y a un moteur qui est, je pense, en cohérence avec le gabarit du véhicule, qui fait qu'on n'est pas pénalisé du tout, hein, même si on part en famille ou quoi que ce soit, on n'est pas pénalisé du tout par un manque de puissance ou de... Voilà, on va se remettre en D ou un manque de, voilà, de reprise quoi. Donc alors là ce qui est bien, après j'ai pas fait le tour au niveau des options, ça sert à rien parce que voilà, il y a plein de versions chez Volvo, il y en a plein, je pense que vous savez aller regarder un petit peu la liste des options qu'il peut y avoir. Volvo de toute façon c'est une marque qui est leader vraiment dans tout ce qui se fait organes de sécurité, conduite vraiment en toute sécurité, et on ressent vraiment ça quand on est, ça fait partie, vous voyez, la consistance qu'on a au volant, la jante épaisse aussi en prise en main, le véhicule qui est très très bien insonorisé, position très haute et tout, on a vraiment l'impression de dominer la route, on a un moteur qui est toujours là, vous voyez, même en mode B, ouais, limite j'ai l'impression que ça pousse autant qu'en mode sport, mais bon, bref. Voilà, le freinage est très bon hein, quand même. Ouais, le freinage est un bon feeling, j'aime bien ça. C'est pas un freinage puissant comme une voiture un peu plus sportive et tout. Mais j'aime bien la consistance, elle est bien. On a du répondant tout de suite dès le début de la pédale. C'est très très rassurant. Quand on a un gros véhicule comme ça, qu'on appuie et qu'on sente que ça morde, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Voilà, donc je disais au niveau de la finition et tout ça, enfin de la finition des options et tout ça. Et franchement, chez Volvo, il y a une liste, c'est interminable. Vous prenez une aspirine si vous voulez en faire le tour, hein, mais bon, on va pas. Moi, je me suis pas penché dessus parce que franchement, je dirais avec la liste qu'il y avait, j'aurais pas retenu grand chose. Mais voilà, beaucoup d'organes de sécurité. Le régulateur adaptatif, tout ça, les caméras un peu dans tous les sens, etc. etc. Voilà. On a une belle luminosité dans cette combinaison avec le cuir beige et la planche de bord anthracite. Voilà, c'est assez joli, tout n'est pas blanc, mais il y a un biton, c'est assez sympa. On a la chance d'avoir un grand toit ouvrant, panoramique et ouvrant. Donc ça crée une belle lumière. Malheureusement aujourd'hui c'est assez nuageux. Mais quand il y a du soleil, vraiment, c'est une voiture qui est très très lumineuse. Voilà. Alors au niveau des suspensions, je ne vous ai pas parlé des suspensions. Là on va arriver un petit peu plus vraiment dans le centre-ville. Donc on va voir ça. Déjà, au niveau, ah bah, un dodan, allez hop, on va commencer, clac, ouais c'est propre, là, c'est un dodan, vous savez, les dodan rouges, là, les trucs, là, les briques, là, les briques au sol, voilà, très sincèrement, pas de, voilà, il n'y a pas de, tiens, on en a encore, la suspension est très équilibrée, franchement c'est pas du tout ferme, c'est pas un véhicule qui est ferme, voilà. Autant les Allemands, voilà, c'est vachement ferme, on a un compromis qui est confort, un type confort très clairement, ouais. Hop, ah tiens, le stop and start il se met pas, il s'éteint pas, bon bref. Alors, on va aller voir. Allez, c'est à moi. Alors, en conduite plus douce, bon, évidemment, je pense que la boîte là, il n'y aura pas de difficulté. Non, choisis ses rapports, pas trop de difficultés. Non, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir quand on commence à élever le rythme, savoir comment on réagit. Globalement, là, dans les ralentissements.
les petites accélérations en ville et les ralentissements, les arrivées sur rond-point, tout ça, on n'a pas de problème. Hein. La boîte, elle n'hésite pas, elle est plutôt bien gérée. On a du couple, donc là c'est un moteur, comme je disais, c'est un 2 litres, il fait 400 Nm de couple. Donc il y a quand même ce qu'il faut, hein, en termes de reprise, on est pas mal avec 400 Nm. Là on a beau être en côte, bon, ça change pas grand chose. C'est vrai qu'avec, comme je disais, avec le couple qu'il y a, de toute façon la voiture a réagi tout de suite. Là sera en descente, ça serait exactement pareil. Attention les vélos, on va essayer de tuer personne. Hop. Alors, au niveau de la visibilité, bon, comme je disais, on est assis assez haut, hein, donc pour la visibilité avant, franchement, c'est impeccable. Bon, moi je fais 1m80, c'est vrai que je me sens assez proche du plafond. Bon, maintenant, après, je veux pas dérégler tout le siège et tout ça. La visibilité arrière au niveau du rétroviseur, bah, franchement, elle est nickel, elle est impeccable. Et puis, les angles morts, ils sont quand même très très bons. On a la petite lunette arrière qui est complètement dans le coin. En fait, on n'a pas vraiment d'angle mort. C'est très très restreint. Donc, on a une très très bonne visibilité. Et les rétroviseurs sont bien rectangles et bien larges. Donc, on a franchement, on a une super visibilité à 360. On est pas mal. Alors, en termes de consommation, a priori, la fiche technique en données constructeurs est donnée à 4,7 litres. Ce qui est plutôt bien, puisque bah, c'est quand même un gros véhicule qui est quand même pas motorisé avec un petit HDI 120 chevaux, hein. On est quand même 190 chevaux. Donc après, voilà, comme vous savez bien, hein, c'est données constructeurs, donc rien nous dit que c'est vraiment la réalité. En tout cas, le propriétaire m'a dit qu'effectivement, c'était pas un véhicule qui consommait beaucoup. Donc pour conclure, eh ben on a un véhicule qui est plutôt sympa, on est très très typé confort et la sécurité, on sent vraiment, en fait on est dans un SUV de bonne facture. On le sent dès la prise en main et puis les premiers kilomètres. Tout est soigné, hein, je veux dire tout ce qui est prise en main, le côté visuel. Le confort aussi, je n'ai pas parlé, hein, mais les sièges sont vraiment très confortables. Ils ne remontent pas tant que ça. Moi, j'aime bien quand ça remonte au niveau des cuisses sur les côtés. Ça ne remonte pas tant que ça. Moi, je suis pas super épais. Hein, je suis pas un rugbyman. J'ai un peu tendance à me balader, hein, dans le dossier. Là, j'ai un peu de la largeur. Mais cela dit, après, le fauteuil en lui-même, il est très confortable. Très très confortable, il est moelleux, voilà, on n'est pas du tout sur des assises fermes. Ça accompagne vraiment le confort tout en souplesse dans ce véhicule. Donc franchement, on peut faire des bornes, hein, il n'y a pas de problème, hein, si vous voulez traverser la France et tout ça. Alors là vous allez être tranquille, et d'ailleurs on me l'a confirmé, le propriétaire me l'a confirmé, les kilomètres on les voit pas passer. Donc voilà, c'est une bonne routière. Très clairement, il y a un bon moteur pour voyager. Il y a énormément de place quand même pour les enfants. Donc on est vraiment sur un véhicule qui est très agréable. Après, on a une motorisation qui est très sympa. Mais encore une fois, c'est pas une sportive. Hein, voilà. Vous avez des relances là. Voilà. Ça reprend tout de suite dès que vous appuyez, ça reprend et puis les relances sont tout à fait convaincantes. Mais voilà, faut pas imaginer que 190 chevaux ça va être une GTI. C'est pas du tout la philosophie. Et je dirais même que malgré le couple énorme qu'il y a et la puissance qu'il y a, ben on n'a pas forcément un feeling de sensation, on va dire sensation vraiment de puissance. Qui est très important. Voilà. Hop, on va se mettre en parking et voilà. Hop, stop. Donc voilà, donc c'est un excellent véhicule, vraiment pour le côté familial. Si vous voulez
voilà, pour le côté familial, il est économique, c'est une très très bonne alternative au premium, au premium allemand. Et je suis plutôt content d'avoir essayé parce que ça offre une alternative qui est bon de découvrir. Et je voyais ça un petit peu avec une image un peu papy, ce genre de choses et tout. Et franchement, quand on voit l'ambiance et tout, c'est vachement jeune, vachement design. La qualité de conduite, enfin tout y est. Et je pense que d'ailleurs Volvo, au niveau du style et tout ça, est en train de se rajeunir un petit peu. Donc voilà, c'est très sympa et je vous invite à découvrir ou à vous pencher davantage sur ce véhicule si c'est un véhicule qui vous intéresse, parce que franchement il vaut le coup. Il est super équipé, très sympa à conduire. Voilà, les petits designs là, il est en train de me dessiner la silhouette là sur l'écran du Volvo. D'ailleurs je vais vous montrer